Amis, on va essayer de changer la wastegate sans démonter le turbo. Donc, préparer le dégrippant, lever le véhicule au max. On va aller en dessous. Dégrippant clé 10. Donc, en dessous. Donc, vous arrivez ici. Enlever cette durite déjà. Voilà, parce que j'ai un doute sur la géométrie. Donc ici vous avez des vis de 10, hein, comme j'ai fait sur le démontage. Il y en a une là et une je crois de l'autre côté. Elle est déjà là. Là, vous avez vu, il y a ça et il y a ça. Et en plus sur la tige, comme j'avais dit, je clipse là ce clipse là qu'il va falloir enlever là. Là il va falloir enlever. Allez, c'est parti. Il n'y a pas de place pour vous filmer aujourd'hui, mais je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Les clips là, je vais m'emmerder. Voilà. Donc, première vis. Là. Oh putain. La deuxième, elle est déjà desserrée. Qui est là. Voilà, il reste l'éclipse. L'éclipse, il est vraiment pas accessible. Hein. Regardez, il est là. C'est ça qu'il ne faut pas faire tomber. S'il tombe là, eh bien vous êtes dans la merde. Hein. Là, pour chercher, je vous dis pas la galère. Donc, moi, je vais continuer. On la laver parce que là je vois qu'elle bouge. Voilà, on va gâter des merdes. On va sortir. Petit détail les amis, quand vous enlevez votre capsule comme ça, vous avez plus accès à la géométrie variable qui est ici. Vous avez vu. Et moi de ma part je la trouve un peu dure. Hein. Donc j'ai un doute. J'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Elle est pas. Je la trouve un peu dure. Donc, bientôt, eh ben, gros boulot, démontage du turbo. Démontage du turbo et nettoyage complet où je le changerai par le TD130 que j'ai, que j'avais déjà fait des vidéos, qui est déjà prêt et déjà nettoyé. Donc cette géométrie variable, j'aime pas. Voilà, on va passer à la wastegate de merde là. Wastegate de merde. Oh, qui est là. Là, on va falloir la vérifier. Si elle n'est pas percée, comme je disais, vous appuyez comme ceci. Vous fermez avec le doigt ici, il faut que ça maintienne la pression. Quand vous relâchez, il faut qu'elle recule. Voilà les amis, si elle est percée, ben vous la changez par une autre wastegate et vous la remplacez au montage sens inverse. Vous la mettez, vous mettez les deux vis bien doucement parce qu'il n'y a pas vraiment pas de place. Et à la fin, vous mettez votre zboub, le téton là, vous remettez votre clips.